Rebonjour et rebonsoir à tous ceux qui nous regardent depuis le futur sur YouTube. Nous allons retourner dans le ciel. On pourrait sauvegarder déjà. On va faire une petite sauvegarde, bien sûr, parce que oui. Et on va retourner dans le ciel, donc pas besoin de l'amiibo, même s'il est complètement pété. Pas besoin de l'amibal. On va retourner dans le ciel. On va retourner à Célestebourg pour placer la stèle là où elle doit être posée. Et on pourra accéder à l'anel, la troisième zone, au sol du jeu. Accéder au troisième donjon, et à partir de là, ça va devenir, dans mes souvenirs, assez sympathique. Mais encore moult choses à venir, quoi. On est encore loin de la fin. On peut se drop directement sur la statue. Du coup, on arrive pile poil devant. C'est bien pensé, c'est magnifique. Let's go. C'est parti. Maître King, que je confirme qu'une troisième colonne de lumière est apparue au sud-ouest. Vous pouvez descendre vers de nouvelles terres. Une fois que vous serez prêt, je vous conseille de vous y rendre. Oh, la belle jaune. Donc, comme on peut voir, on a mis les trois stèles. Du coup, qu'est-ce qu'on est censé récupérer dans le troisième donjon? Puisque, certes, les deux premiers donjons permettait d'accéder à une nouvelle zone, mais là, on est bien conscient que c'est plus le cas. Cependant, on nous a parlé brièvement, en tout cas dans la chanson que nous a raconté Faye, on nous a parlé de voyage dans le temps. Comment ça, des voyages dans le temps? Alors ça vaudra le coup évidemment à un moment aussi de refaire les anciennes zones, mais je pense qu'on va attendre d'avoir les objets qu'on nous file là dans les nouvelles zones. Comme ça, quitte à refaire un tour, autant un petit peu optimiser plus ou moins, quoi. Maître King, Faye au rapport. Nous sommes arrivés dans les mines de l'anel. C'est une terre aride qui s'est changée en désert en seulement quelques siècles. Il est probable que Dame Zeldo soit arrivée dans cette zone. Let's go. Voilà, du coup, c'est par là qu'on nous dit. On arrive au-dessus de cette magnifique tour. Et après le feu, le désert. Alors vous voyez qu'ici on a évidemment de quoi faire tout péter, et on a déjà un petit apéricube. La belle bleue. Bon, on a des bombes aussi.
On va pas s'en priver. Pour tout faire péter. Cet élément semble hors service depuis de nombreuses années. Il m'est impossible de déchiffrer ses paroles. Alors souvenez-vous, hein, ça ressemble un petit peu au petit robot, au petit robot qu'il y avait dans la boutique de celui qui répare les objets. Coïncidence ? Je ne pense pas. Chariot, forcément. Qui dit mine dit chariot. Poussez madame, poussez. Poussez madame, poussez. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait qu'on change de bouclier, car là, on va avoir les ennemis électriques. Et le bouclier en fer, il aime pas l'électricité. Donc, mauvaise ambiance, bien sûr. Mauvaise ambiance à venir. Bon, après, on peut faire gaffe aussi, ça mange pas de pain, comme on dit, hein. Quel est l'intérêt déjà? Je ne sais plus. Ah, petit Pierre Sheikha. Sheikha, Sheikha. Bah alors, t'as perdu ta langue ? Alors déjà, j'ai envie de vous dire, moi l'argent c'est mon truc. Et après, il n'y a pas plus. Cette mécanique, elle est vraiment... Elle est très très cool en soi. Par où es-tu arrivé? Ici, nous extrayons des chronolithes pour les transporter afin jusqu'à la raffinerie de l'Anel. C'est dangereux pour les humains. Évite de toucher cette pierre bleue. Je détecte un glissement temporel dans cette zone. Le choc infligé à la pierre bleue a fait remonter le temps. Cet endroit est maintenant tel qu'il était dans le passé. Et c'est assez cool. Du coup, on voit les machines qui refonctionnent, etc. Et
une fleur ancienne. On dit qu'elle fleurissait bien longtemps avant notre ère. Délicate et mystérieuse, elle brille dans l'obscurité. Merci. Ne me parle pas pendant que je travaille, ça me dérange. Ça va, c'est bon. On utilise ce wagonnet pour transporter les chronolithes. Les humains ne peuvent pas monter dedans. Allez, va-t'en. Et du coup, comme lui rentre dans la zone, il vient à cette époque. Là, c'est ça qui est beau. Qui bloque le passage du wagonnet qui est devant la porte, écarte-toi. Sauf con. Salut, hein! C'est super, hein! Hop là, 20 rubis du passé! Ces derniers temps, des individus étranges nous attaquent, nous ne sommes pas armés. Alors, s'ils en prennent à nous, on est fini. Quoi? Tu veux travailler ici? Alors, enlève ce drôle de chapeau et mets un casque! Let's go. Let's go. On va récupérer quelques bombes quand même parce qu'on peut. Et montons dans le wagonnet pour avancer dans la zone suivante et le wagonnet qui va aller jusqu'à ce que Laura ne soit plus disponible. C'est-à-dire... Ah mais non, il s'arrête juste avant. Comme c'est bien foutu. Par contre, les pauvres, du coup, eux, ils ont pas le droit. Les chronolithes sont la source d'énergie qui nous permet à nous et aux machines de fonctionner. Alors, on n'a pas le temps de discuter. Tu t'intéresses aux chronolithes? Alors, tu devrais aller visiter la raffinerie de l'Anel. On va le faire, vous inquiétez pas. Ah oui. Et le panier. Oh non. Voilà. Chez. Ok. Les sables mouvants, la base. Ah mais cassez-vous. Mais cassez-vous. Pas 20 rubis rouge. 20 rubis rouge. Oh là là. J'avais pas vu. La fourmix. Vous avez attrapé une fourmi de l'Anel. On dit que ce spécimen capable de survivre dans les déserts les plus arides bâtit sa fourmilière sur une source d'eau. On a presque récupéré, on a presque réussi à récupérer
au moins un exemplaire en gros de chaque espèce. Ah oui, non, mais qu'est-ce qu'elle croivait? Ah oui, du coup, là, on va pas pouvoir se protéger avec le bouclier, car, du coup, électricité. Un cadeau. Ça t'apprendra, pauvre con. Oh le con. Ah, j'ai voulu récupérer le cœur, bien mal m'en a pris. Bim. Heureux. Finette. Heureux. Oh, ça je vais prendre, merci. Non, faudrait que j'attende que je récupère tout. Ah oui, il y a de la moula. Ah non mais attendez, la moula quoi. De toute façon, la moula, on va en avoir besoin. Je vous annonce, à un moment ou un autre, la moula, il en faut. Donc la moula, quoi. La moula. Pouiriririri, la moula. Et merde, putain, mais tape un moment et merde. Putain, bordel de merde. Fais quelque chose de ta vie. Ok. Do we have some bombs? Yes, we have some bombs. Thank you. Je dois vous avouer que ça commençait à être un petit peu shorty short en bombs. Ok, rien, super. On sent bien ça. Non, mais on s'éclate hein, ici. Hein. On fait le stock, hein, bien sûr. C'est moins cher que gratuit. Et c'est parti. Ah. Ah mince, on n'a pas assez. Mince, c'est quoi? Ah, ça rigole pas. Non, ça rigole pas. Attendez. Ça suffit à le faire. Nice. Ah, ah mais forcément, faut qu'il y ait une fifi-filoute. Attends, bouge pas. Alors, prends-moi ta grande gueule. Attention, regarde pas derrière toi, hein, c'est affreux. Merde. Vite, sac à merde, vite. T'es vraiment trop con.
Ce n'est pas courant de voir des humains par ici. Tu t'intéresses aux chronolithes? Non, bouge pas, bouge pas. Je l'ai quand même eu. Une libellule Gerudo. Ses yeux à facettes ont l'éclat du saphir et ses ailes la délicatesse du cristal. Ouais. Olé. Olé. En même temps, je me casse et je prends pas ce qu'il faut, quoi. Donc, vous êtes bien désagréable. Hein? Bon. À un moment, voilà quoi. Non, mais où? Un crâne d'or. Un deuxième crâne d'or. Non, genre. Ah, mais oui, il faut le tirer. Bon, ok, toi. Mais oui. Voilà, faut le tirer pour qu'il soit dans la zone, bien sûr. Mais est-ce que tu veux bien attaquer, espèce de sac à merde? Merci. Oh là là, mais mon Dieu. Oh, il est doué, mais pas trop quand même. Hein. Il est doué de ses mains, mais ça a des limites. Hein. En fait, avec la manette, c'est pas mal, mais il faudrait que je reteste au motion gaming. Un de nos compagnons s'est fait enlever. On raconte qu'il risque de se faire déconnecter. Il faudrait que je reteste avec les Wiimote, parce que la manette, j'y arrive, mais moi, j'aimais bien le motion control à l'époque. Alors, je devais être un des rares à l'aimer, hein, parce que, évidemment, le jeu avait été un petit peu... J'avais reçu moult critiques sur le fait justement que le motion gaming, les gens aimaient pas tout ça. Mais moi j'avais bien aimé et je crois qu'en réalité, ça me paraît plus agréable que là comme ça. Mais après, ce n'est que mon avis. En tout cas, voici la Nelle. Nous sommes arrivés au désert de la Nelle. Une brusque désertification a grandement modifié la nature de ces terres. Il y en a un qui a appelé son perso Best Kebab. Yes! Je détecte par de nombreux endroits des sables mouvants susceptibles de vous engloutir. Le niveau de danger a augmenté de 30%. Pour éviter le danger, je vous conseille de regarder votre carte avec moi pour étudier le terrain. Il est probable que Dame Zeldo soit passée par ici. Comme je vous l'ai dit, cette zone est très dangereuse. Nous devons également découvrir pourquoi elle a agi ainsi à Ordine. Je vous conseille donc de la retrouver au plus vite. Et c'est la première fois qu'on voit le symbole de la Triforce dans le jeu. Aussi. Eh oui! Tu pouvais rester assis avec le motion control. Oui, c'est beaucoup de gens se disaient non mais il faut être debout et il faut faire des gestes que, n'importe comment. Mais en fait, des petits gestes, ça fonctionnait. C'est-à-dire des petits mouvements du poignet, si vous voulez, comme ça, ou comme ça. En fait, ça fonctionne. Huh.
Donc c'est pas problématique en soi, mais du coup les gens se disaient oui, non mais d'accord, il faut c'est problématique, machin. Et en fait non, pas du tout. Ça doit être fatigant au bout d'un moment. Bah en vrai, c'est des petits mouvements. Donc moi, je me souviens que ça allait. Après, c'est sûr que si on fait 10 heures de jeu, c'est peut-être fatigant. En même temps, est-ce qu'il faut faire 10 heures de jeu d'affilée? Je suis pas sûr. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est peut-être en même temps une bonne chose, quelque part. Mais... Donc il faudrait que je reteste parce qu'il y avait quand même, je trouve, des facilités. C'est... Le mot est un peu grand, mais en tout cas... C'est comme quand même le jeu est prévu pour ça à la base, même si les commandes à la manette sont très propres et se font, il n'y a aucun souci. Ceci dit, je me demande si quand même, faut tester le motion gaming. Pas une bonne chose. Pourquoi il faut aller par là? Je ne sais pas, mais j'y vais parce que j'ai envie. Putain, best kebab quoi. Vraiment, il y a des gens, ils sachent. Qu'est-ce que c'est que ce truc déjà? Je ne me souviens plus. Ça ressemble au truc des roulettes du jeu là dans les airs, tout ça. Mais en tout cas, de l'autre côté, ici, nous avons un coffre. Et encore un crâne d'or. C'est le troisième, mine de rien, qu'on nous file. Enfin, qu'on récupère. On nous le file pas, on le récupère, mais quand même. Mais quand même. Oh la fourmix! Oh les fourmix! Les fourmix! Voilà, oh mais tous ces cœurs! N'en jetez plus! Ah oui, eux! Alors, comment ça se passe déjà? Il tourne vite! Et je crois que du coup leur carapace reste. Et... Oh putain, je sais pas s'il y a pas un truc à faire avec les carapaces. Je sais plus si les cactus y a un truc aussi, je sais plus, hein, y a plein de trucs moi. Vous savez, la vieillesse, ce naufrage. Hein. Donc. On se retrouve dans le désert. Quand t'es dans le désert. Là on ne peut point passer. Je crois qu'effectivement une des techniques les plus simples c'est de les faire foncer contre un mur et lol. Enjoy, comme on dit. Ces cadeaux, ça fait plaisir. Oh, le petit cube, la péricube. Oh, la péricube.
au la péricube. Vous avez obtenu un virevoltant. Ah oui, voilà, c'est ça qui se balade dans, dans les plaines. Tout ça, vous en trouverez. Peut-être trouverez-vous une utilité à cette boule d'herbe séchée. Les virevoltants, je sais plus pourquoi on en a besoin pour pas mal de trucs, les virevoltants. Les virevoltants roulent parfois sur le sol du désert de la neige. On les utilise en général comme matériau. Il est possible de les attraper à l'aide d'un filet à papillons. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui. Ah, faut être svelte, quoi. Svelte et souple. Il n'y a rien à faire avec ce crâne, je sais pas. À partir de là. C'est ça. Un deuxième. Et on est bon. C'est des anciens ennemis, d'accord, je me disais. Oh putain. Oh mais sérieusement par contre. À un moment. Ah oui, du coup. Du coup, lui, il est pas vraiment mort. Mais il est mort quand même parce qu'il est hors zone. Il est hors jeu, lui. Lui, il a fait un hors jeu, lui, il a pas compris le concept. Un peu plus et il me déconnectait. Tiens, je vois que tu as un scarabée. On les fabrique ici à la Nelle, mais le tien est un vieux modèle. Pour te remercier, je vais l'améliorer. Passe-le-moi un instant. Votre scarabée a été amélioré en scarabée accroché. Ses nouvelles mandibules lui permettent de transporter des objets. Lorsque vous passez en vue aérienne et maintenez ZL, appuyez, l'objet qu'il transporte peut être lâché. Maintenant, il peut transporter des objets dans ses mandibules. Sois prudent. Ce qui veut dire que, par exemple, les bombes, on peut les transporter, entre autres. On peut le pousser, ça ? Donc, vous voyez, par exemple, cette bombe qu'il y a là, sur cet arbre. Il est possible de faire ceci. De récupérer comme ça et ah oui d'accord, merci. Il faut maintenir ZL pour voir ce qu'il y a en dessous. Et après appuyer sur ZR pour lâcher. Et boum. Là, certes, on gagne simplement 10 Rubix, mais n'a-t-on pas mieux à faire ? La réponse est oui, bien sûr. Alors déjà, lui, là, le petit rigolo, là. Vous voyez le petit rigolo, là ? Est-ce que vous le voyez, le petit rigolo, là ? Il se croit malin, là.
Trop malin. Bon, bah il se croyait malin. Maintenant, on l'entend moins. Là. Du coup, c'est ce qu'il faut parce que sinon, on ne peut pas passer ces sables mouvants. Bien sûr. Là. Panier. 3 points. Je sais pas si après on n'a pas une autre évolution où il peut carrément accélérer un petit peu. Mais... Hop là. Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait cet oiseau déjà? Je sais plus. Là. Bonjour, bonsoir. Ouais, la cigale. La cigale. La cigale de l'année, là. Le cigalon. Vous avez attrapé une cigale des sables. Cet insecte demeure caché sous la terre à l'état larvaire pendant plus de 10 ans. Sa capture demande de la patience. Il n'y en a plus qu'une. Plus qu'un d'insecte qu'on n'a pas encore trouvé. Hey, connard! Merci. Résultat des courses, on peut passer par là. Il y a un crabe fou comme ça? Oh, certainement. Là, comme ça, je pourrais pas donner le nom, mais je pense qu'un Disney Pixar comme ça, oui, ça doit exister à mon avis. Ah, il y a une ambre en face. Let's go. Je crois que l'oiseau va nous attaquer, mais je sais plus exactement quel est son pattern. Son pattern ou son pas éclairé. Voilà, j'ai envie de dire fais un effort quand même. Moi je fais l'effort de venir jusque là, fais un effort quoi. Je crois que globalement il s'en fout, mais on voit l'ombre. Ah, je l'ai eu. Rien à foutre, je l'ai eu. Non, mais on va s'en occuper autrement. Hein. Je crois qu'on va juste s'en occuper autrement. Hein. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Eve, mais va bien manger tes grands morts. Hein. Eve, mais va bien manger tes grands morts. Ouais, c'est ça, va te poser, tiens. Tiens! Entends-moi ta grande gueule là, hein? Bon. Alors
Les gens sont d'une impolitesse. Le grave fou, c'est Moana. Ah, oui! Ça doit être ça. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Bien vu. Joe le dingue dans Gang de requins. Ah, Gang de requins, je l'ai pas vu, mais Moana, ça me dit quelque chose, ouais. Moana, ça me dit quelque chose. Ah, mais il revient! Oh, cette blague! Ah, mais oui, parce que ça fait... Mais oui, bien sûr, il revient. Pourquoi? Parce que il fait office de plateforme. De plateforme temporaire pour pouvoir passer. Suis-je bête? Oh, le petit coffre. Mais non, mais... Mais pauvre con, il explose pas en même temps. Et heureusement que le scarabée il est vachement résistant. Oh, c'est limite, mais ça passe. C'est Monsieur Krabs, il prenait des stéroïdes. Si, c'est lui. Non mais ouais, non mais Gang de requins, je pour le coup je connais pas. Du coup j'ai pas vu. Donc je ne peux vous dire. Je ne pouvais vous dire. Il faut refaire la plateforme. La plateforme temporaire. Cadeau. Ok, on loupe pas quelque chose. Par hasard, je ne crois pas. Hein. Globalement, on a fait tout ce qu'on pouvait dans cette zone. Donc, de toute façon, on reviendra après. Hein. Et après, on aura même des moyens plus simples de se déplacer aussi. On aura moult moyens bien plus efficaces. Déjà là, c'est un raccourci. Déjà. Oui, en fait, du coup, effectivement, on aurait pu déjà passer, aller prendre le cube autrement plus tard, mais bref. Et là aussi, on aura un raccourci avec lui. On aura un raccourci avec le truc qu'on a à prendre là juste à côté. Let's go. Ah oui, c'est vrai qu'il dérive. Ah, t'as la dérive. Là il nous attaque pas hein, évidemment. Ah oui, les libellules. Some libellules. Bim. Laisse-moi aller chercher les libellules. Ah.
Allez, viens là, toi. Vas-y, reviens. Allez. Allez, viens. Viens, tu vas voir, c'est bien ici. Non, mais reviens. Allez. Reviens, qu'on te dit. Reviens. Allez, fais pas ta timide. Allez. Voilà. Ah, par contre, monsieur, là, il va falloir se calmer. Hein. Oh, monsieur le Krabs. On va se calmer. Je vais vous expliquer 2-3 trucs. Voilà. On va se calmer. On va respirer tous ensemble. Et voilà. On est là dans le calme. On va rester. Voilà. On s'explique. C'est pratique quand même. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a de quoi creuser. Ok. En même temps, on pourra peut-être y aller d'une manière plus pratique plus tard. Toi là, par contre, avec tes yeux de fourbe, tes yeux carrés là. Toi avec tes yeux carrés là. Là, par contre, si on monte, on refait un petit peu de che... S'il te plaît, Link. S'il te plaît, Kink. Merci. Chaque fois je me trompe dans les boutons, c'est affreux. En tout cas, voilà. Hop, un deuxième raccourci. Parfait. C'est une petite grotte, où on en est là? Ah oui, la petite grotte qui permet de rentrer. Qui peut vous permettre d'aller où déjà? Je ne sais plus. Très bonne question. Le temple du temps. Ah ben on y est déjà au temple du temps. Ok. Ah mais oui! Mais oui! On est déjà au temple du temps, oui, c'est vrai. Une petite sauvegarde, peut-être relancer la VOD parce que là on en est à une petite heure 50 minutes de VOD, c'est ce qui est pas mal hein, ce qui est plutôt propre. Combien on a de, attendez, 1400 rubis. Eh, à un moment il va falloir les dépenser les rubis hein. Oh, il va falloir les dépenser ces rubis hein. Peut-être le moment d'ailleurs, qui sait. Voilà, il y a des ennemis qui vont réapparaître, on le voit, we can see that. Alors qu'on arrive au temple du temps, mais c'est pas vraiment le temple du temps, on arrête la VOD et on la relance de suite, spectateurs, spectatrices du futur, bien sûr,